Good morgen, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Marlouf Micha, Ben Masouda, Rivka, Bat, Elevi, Itzrak, Avram, Prenor, Ben Fortune, Mazaldov, Ben Yudit, Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez un 5 minutes éternel. Nous étudions Mesachet Midot, Perik Gimel, Mishnahé. Les Tabaot, Ayou, Litzfono, Shel Mizbeach, Shishaz, Darim, Shel Arba, Arba, Veyeshomrim, Arba, Shel Shesh, Shesh, Shalehen, Shochatin, et Akodashim. Bet Amidbar Chaim aya litzfono shel mizbeach ve'alav shmona amudim nanasim urvin shel erez al gabehen ve'un keliyot shel barzel ayu kvuin bahem u'shlosha asdarim hayu lekol echad ve'echad shebahem tolim u'mafshitim al ha'shulchanot shel sha'ish sheben amudim. On continue à décrire la Hazara dans la Mishnayot précédente, on a parlé du Mizbeach, de l'autel où est-ce qu'on faisait les sacrifices. Maintenant, on va s'intéresser à toute la partie qui se trouve depuis le Mizbeach jusqu'au mur du nord. D'accord? Dans la direction nord. Et la Mishnah commence à me dire Vetabaot hayu litzfono shel Mizbeach. Et il y avait des anneaux, vous voyez, ils ont dessiné comme ça ici dans des anneaux, par terre. Il y avait des anneaux au nord, dans la partie nord du Mizbeach. Ouais, ça c'est l'ouest. Donc là, on a le nord, et là c'est le sud. Donc dans la partie nord, il y avait des anneaux. Shishas darim shel arba arba. Il y avait 6 rangées de 4 4. Comme ce qu'ils ont fait dans ce dessin, en l'occurrence. Ils ont fait 6. Mais il y a sûrement des gens qui disent que non, c'est pas qu'il y avait 6 rangées de 4. Mais c'est qu'il y avait 4 rangées de 6. D'accord? Vous tournez le rectangle dans l'autre sens. À quoi servaient ces anneaux? Shaleen, Shochatin et Akodashim. Dans ces anneaux, on faisait la Shrita des Kodashim. On explique un petit peu. Il y avait tout le principe qu'on va étudier dans toute cette partie-là. Il y a trois sections. Il y a les anneaux. Et il y a, vous voyez ici, ils ont mis des petits carrés. C'est le Shulchanot, ça s'appelle. Et les Nanasim, littéralement les nains, qui sont des sortes de poteaux un peu particulier à aménager pour pouvoir dépecer la bête. Le principe, il est très simple. C'était là qu'on faisait la shrita du Beth Amikdash, la shrita des korbanot. On a appris dans la Sechet Midot qu'il ne fallait pas ligoter le korban avant de l'égorger, parce que, pour se différencier des rituels païens, donc on ne ligotait pas. Maintenant, faire la shrita d'un animal qu'on ne ligote pas, c'est très compliqué, parce que l'animal, il bouge. Alors sur ça, on avait des anneaux par terre. C'est un peu délicat, précisément comment c'était, il y avait quelque chose qui bougeait, qui était qu'il fallait le rabaisser, le bloquer. En l'occurrence, vous avez ici dans le feuillet, dans le PDF, 4 pages en bas à gauche, vous avez ce dessin-là, où ils ont dessiné des sortes d'anneaux, ils ont essayé de faire une illustration. J'ai des petites remarques sur cette illustration cette fois-ci, que essentiellement qu'ils ont fait des anneaux un peu trop fixes par terre, alors que ça ressort que c'était quelque chose qui bougeait, qu'il fallait rabaisser. Il y avait un gond qui permettait de bouger et de le rabaisser pour pouvoir me le fermer. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. Alors là, maintenant, donc on s'intéresse à toute cette partie nord. Il y a 3 sections, on a dit. Il y a les anneaux, les tables et les nanasim. Après les anneaux, une fois qu'on a fait la shrita, eh bien en fait, on va faire passer l'animal dans les nanasim, dans ces petits nains, ces super poteaux originaux qu'on va découvrir comment est-ce qu'ils étaient exactement. Et on utilisait les tables aussi en parallèle, pour pouvoir bien mieux bloquer l'animal, tout de suite retirer des parties, les poser sur la table pour les laver. Les tables, elles n'étaient pas fixées au sol, c'était pas des tables de pique-nique, ça bougeait, elles étaient là, on les utilisait selon le besoin, on les rapportait, on les approchait des nanasim, on les remettait à leur place et on travaillait là-bas pour laver certains membres. Et on continue donc la Mishnah. Donc première partie de la Mishnah qu'on a vue, c'est occupé de nous préciser le lieu des tabaot. Ensuite, Bet Hamidbachaim aya litzfono shel mizbeach. Littéralement, le Bet Hamidbachaim, un mitbach aujourd'hui c'est une cuisine, mais ça vient du mot tabach, le boucher, là où est-ce qu'on égorge l'animal, où est-ce qu'on dépèce l'animal, où est-ce qu'on sectionne l'animal. Et c'est ça le Bet Hamidbachaim, le lieu où on sectionnait l'animal en plusieurs parties, on le dépeçait et on s'occupait de retirer les parties. Eh bien, aya litzfono shel mizbeach, c'était bien plus au nord du mizbeach, dans la partie nord, encore plus profondément. Ve'alav, shmoné,
Amudim, et il y avait dans cette partie-là, il y avait, ouais, quand même marqué, Makom Ananasim, 12,5 amas. Et là-bas, il y avait 8 nanasim, ces petits nains. C'est quoi ces petits nains, en fait? C'est simple, c'était un poteau qui avait une hauteur inférieure d'une taille humaine, donc ça ressemble à un petit nain, quelque chose de bas. Et c'était un poteau en pierre, ou revirin shel erez al-gaben. Et il y avait là-bas des gros carrés lourds qui prenaient la forme du poteau, qui était cette fois-ci en cèdre, qui était posé là-bas. Et il y avait des crochets en fer qui étaient fixés en elle, dans ces poteaux qui, c'est-à-dire dans ces poteaux en bois qui étaient posés sur le poteau en pierre. Et Ushloshas Darim Ayu l'école Echad Vechad. Et il y avait là-bas trois rangées à chacun. Il y avait trois rangées. Ayu l'école Radurad qui avait sur chaque poteau. C'est-à-dire trois sortes, en réalité, c'était trois sortes. Un céder, ça veut dire une sorte de rangée, une. Comment dire, une. Trois espèces, trois sortes. Trois sortes de trois rangées, en fait, à chacun des poteaux. Je m'explique. C'est très simple. On l'a plus tellement dans le dessin. C'est-à-dire, dans le fameux dessin que je vous ai dit, on les voit de loin, mais on ne distingue pas grand-chose. Donc, ça ne va pas tellement vous aider. On voit des poteaux comme ça tout au fond, dans cette partie-là. Mais bon, ça ne va pas vous aider beaucoup. Concrètement, ça se passe comme ça. Il y a au Beth Amikdash, il y a marqué un interdit dans la Torah, Lotita lecha shira kol etz etzel mizbach Hashem alokecha. On n'a pas le droit de planter un arbre dans la Hazara, mais mieux que ça, on n'a pas le droit de planter, de construire quoi que ce soit en bois de manière dévoilée. Maintenant, l'avantage du bois, l'avantage, il est le bois, il est nécessaire des fois pour certains poteaux pour pouvoir accrocher des crochets. On plante mieux des crochets dans du bois que dans de la pierre. De ce fait, pour pouvoir superposer, donc on avait besoin d'avoir ces poteaux en bois, mais les poteaux en bois, on ne peut pas les planter dans la Hazara. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des poteaux qui sortaient, des poteaux en pierre qui sortaient du sol, à une certaine hauteur, et il y avait dessus un plus large poteau qui devait rentrer s'emboîter dessus, mais sans être fixé complètement, et où il y avait, où donc ce poteau ensuite s'élevait. Il y avait là-bas différents gros crochets qui sortaient. Selon la taille, il y avait des crochets plus hauts, moyens ou plus petits. Ça dépend de la taille de l'animal. Il va falloir dépecer une vache, un taureau, ou bien s'il va falloir dépecer un petit mouton. Il y en avait aussi de tous les côtés, à l'exception dans la partie ouest. C'est-à-dire, il y en avait des crochets qui donnaient par le sud, qui donnaient vers le nord, ou qui donnaient vers l'est. De manière à ce qu'on accroche l'animal, mais on n'avait pas des crochets dans la partie ouest. Pourquoi? Parce que sinon, pour pouvoir dépecer l'animal, il aurait fallu qu'on se tienne avec le dos, avec le échal derrière le dos, et c'est pas digne de donner le dos au échal. D'accord? C'est précisé dans le Tiferet Israël ici. Et donc les Unkelios, c'était des crochets comme ce qu'on a expliqué, et il y avait trois sortes selon la taille. Chez Bahem Tolim, que là-bas on accrochait l'animal à dépecer, et à ensuite à sectionner, ou mafshitin al shulchanot, et on dépeçait l'animal aussi sur les tables al shulchanot shel shaish, sur les tables en marbre. Ces tables-là, elles étaient en marbre, mais elles n'étaient pas fixées au sol, mais elles étaient en marbre chez ben amudim que l'on a porté entre les poteaux. Pourquoi est-ce qu'elles étaient en marbre? On a déjà évoqué le principe plusieurs fois déjà. Le marbre est de nature plus froide. Lorsqu'on parle de dépecer un animal, il fait chaud, on est en plein air. On se retrouve des fois en Israël avec des grosses températures à l'été. De ce fait, tu prends une table en marbre, comme ça reste plus froid, et la viande ne risque pas de s'abîmer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.